Ça y est, CST fini. Le célèbre duo de musique électronique Daft Punk a annoncé, ce lundi 22 février, sa dissolution. CST dans une vidéo diffusée sur leurs réseaux sociaux que les deux Français, cachés derrière leur fameux casque, ont partagé la triste nouvelle. Durant près de 30 ans, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo ont créé le buzz dans l'industrie musicale et proposé de sacrés tubes. Dans un documentaire qui leur avait été consacré en 2015, Jean-Daniel Beauvallet, ancien rédacteur en chef du magazine musical Les Inrecuptibles, avait ainsi expliqué leur stratégie. Créer ces alter-ego robotiques leur permet de rester humains, d'avoir les pieds sur terre et d'être totalement libres. Ils ont acheté leur liberté en envoyant les robots faire leur sale boulot. Et ces deux-là laissent derrière eux des centaines de milliers de fans tristes et nostalgiques à travers la planète. Parmi eux, une certaine Laetitia Hallyday qui a révélé sur son compte Instagram qu'elle les adorait réellement et que dans sa liste de rêves, elle avait noté celui de les voir en concert. Un rêve qui s'est envolé à tout jamais pour la compagne de Jalil Lesper. A voir également, Laetitia Hallyday, son short en jeans, plus petit, tu meurs. La rédaction à lire aussi Katy Perry aurait envisagé le suicide après sa rupture avec Orlando Bloom. Photo, les Daft Punk se séparent, retour sur une carrière qui a marqué l'histoire.